Allez, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play sur Tales of Arise. Donc aujourd'hui, on va faire des quêtes secondaires. Alors, du coup, j'enlève l'image. Hop là, voilà, comme ça, on est sur le jeu. Alors, du coup. Hop là, le chat est là. Ok, donc n'hésitez pas, hein. Lâchez vos petits commentaires sur le chat. Donc on va faire des quêtes secondaires. Là je suis en Aldmenantia parce que j'ai déjà fait toutes les quêtes secondaires de qu'il y avait du coup en Cislodia. J'avais tout fait et avant en Calaglia. Donc du coup là en Menantia, on a quand même plusieurs quêtes secondaires à faire qui nous attendent. Notamment ici à la route de Traslydia. Je sais qu'il y en a quelques-unes voilà, avant la rivière. Hop, là, il y en a deux qui nous attendent ici. Le jeu est toujours magnifique, hein. Ça, je ne me lasserai jamais de le dire. On dirait vraiment une sorte d'aquarelle, hein. Ça a été dit plusieurs fois par les commentateurs, les youtubeurs, les journalistes, et c'est vrai, hein. Ah, en fait, elle est là, à ce moment-là plutôt. Alors, il y en a une ici. D'accord, donc le garde impérial ne peut pas les aider. Donc je pense que nous on va les aider, hein, du coup. Enfin, on va l'aider. Alors, son matériel agricole est fichu, c'est des aigles qui ont fait ça, ouais. Donc on va devoir éliminer des aigles, je pense, hein. Ils prennent de l'énergie astrale de la terre, ok. Et avec, ils font rouiller tout le métal de mon matériel, ok. Bah oui, c'est pas récupérable le matériel rouillé. Bah oui, parce que du coup, pas de fermier, pas de réserve de nourriture, donc ça va être compliqué. Allez, on m'a donné un coup de main. Ok, donc du coup, rouille quand tu nous guettes. Alors du coup, ça doit sûrement être pas loin, hein, j'imagine. Bah là, on est dans la zone déjà, hein, de toute façon. Près du champ, éliminé Mastéreuse x8. Ok. C'est le garde impérial qui était dans le coin. Alors, éliminer Mastéreuse x8. Dans le champ, il l'a dit carrément, non? Ça doit pas être ce champ-là. Ah bah oui, de toute façon, je suis hors de la zone, là. Alors, il y a une action de terrain à faire d'ailleurs. Mais c'est bizarre. Alors peut-être en dessous. Ah ouais. Donc soigner. Ok, donc du coup le petit garçon il nous a donné 4 carpes. Ok. Là, on récupère un saumon. Ok, donc on va devoir remonter. Alors, je pense qu'on va récupérer encore un petit peu de poisson. Là où ça brille. Et après, on va faire le combat contre les aigles, contre les mastéreuses. Allez, on va trouver ces mastéreuses. Bon, elle du coup ça sera après, hein. Ah oui, on peut pas sauter par là. Là oui, ok, bon. Ça c'est un peu dommage quand même. Allez, donc ils vont être sûrement dans le coin. Alors je pense pas que ce soit eux, hein, parce que eux c'est des sangliers, hein. Ah, ça doit être ça, je pense. Je pense que c'est ça les mastéreuses.
Bienvenue sur le chat, au fait, hein. Allez, on va faire le combat. Mastereuse, là, il y en a 4. On en fera un autre, hein. Faut en vaincre 8. Hein. Alors, eux, ils sont quoi? Level 19. Ok, donc ça devrait le faire, quand même. Ok, donc il y en a d'autres que j'ai vu pas très loin. Là, il y a des sangliers. Ah oui, je crois qu'ils étaient plutôt par là. Ouais, là, il y en a. Voilà, il n'y en a que deux. Allez, on enchaîne les frappes secondaires. Les frappes bonus, pardon. Ok. Allez, j'en profite pour récupérer. Là, il y a des citrons. Hop. Des minerais. Ok. Alors, 1000 gold, ça c'est bien par contre. Alors, il faut encore que je trouve deux mastéreuses pour finir cette quête secondaire. Deux mastéreuses à vaincre. Donc, ça c'est les sangliers. Ah, bah, il y en a deux là-bas. Il y en a deux là. Ok. Alors l'eau, frappe secondaire, moi aussi. Bon là après, on roule un peu dessus parce que eux ils sont level 19. Nous on est level 50. Hein. Donc je vais retourner voir le client. Je récupère les minerais là. Après dans les quêtes secondaires, il y a de tout, hein, parce qu'il y a des... mince, il y a des combats de boss aussi. Ah, elle a pris Maelstrom, Rinwen. Allez, on va retourner voir le client. Ah.
Bon, on a gagné la quête. 1500 galt, 140 PC et deux fioles de résurrection, ça c'est bien. D'ailleurs, faut que je vois, est-ce que j'ai des compétences... Ah ouais, j'ai beaucoup de points de compétences là. Alors, ici en plus j'aurai un bonus de complétion, attaque plus 50. Alors, augmente l'attaque, attaque élémentaire après avoir mangé, ok. Là ici, en plus c'est bien, là il y a... c'est des compétences à 1000 PC. Alors ça serait quoi là ici? Attaque élémentaire plus 50. Bon, je pourrais pas tout débloquer. Ah, mais là je peux. Défense plus 50, ouais, je vais faire ça. Augmentation, gain, jauge bonus après victoire, ok. Ouais, ça faisait un petit moment que j'avais pas débloqué les compétences là. J'ai pas utilisé les points de compétences. Augmentation, gain, jauge bonus après victoire. Ok, du coup, on a le bonus de complétion. Bah, après, je garde comme ça, j'aurai... Je pourrais faire celle-ci. Hein. Alors, pour Sean. Ici, la bonus de complétion, ça serait quoi? Puissance plus 50, ok. Donc, augmentation des dégâts bonus. Augmentation du taux d'altération. Pour mettre plus d'altération physique plus facilement pour les ennemis. Remplissage jauge de bonus tous les 10 coups, ouais. Alors, pour Dualim, là, c'est défense élémentaire plus 50, ok. Remplissage jauge bonus en début de combat, ok, donc ça, c'est bien. Augmentation gain de jauge bonus après victoire, ok. Augmentation gain de jauge bonus après victoire, ok. Alors, Rinuel. Ici, elle pourrait avoir défense élémentaire plus 50. Augmentation des dégâts critiques, ouais. KO repoussé, d'accord, ça c'est bien. On peut résister une fois une attaque mortelle avec un PV restant. Donc ça donne une petite chance hein, quand même pour se régénérer. Et là, augmentation des dégâts critiques. Ensuite, l'eau. Alors la puissance plus 50. Augmentation des dégâts aériens, donc ça c'est bien. KO repoussé, pareil. Et augmentation des dégâts à terre. Et pour Kisara, là ça serait attaque élémentaire plus 50. Restauration de la JA après esquive garde parfaite. Ouais. Augmentation attaque élémentaire mort imminente. Et ici, pareil. Ok. Ok, donc ça c'est bien. On sauvegarde. Alors, on continue. Je sais qu'il y a une autre quête secondaire qui est pas loin. Ah, juste là. Mmh. Yeah. D'accord, donc il y a encore des ogres à vaincre. Mmh. Ah, il y en a un gros qui est arrivé. Peut-être un mini-boss, du coup. Il ressemble à un singe géant, ah ouais? D'accord, il souffle de violentes rafales de vent qui ravagent les récoltes, ses récoltes. Allez, on va s'en occuper. Un grand ogre simien qui maîtrise le vent. Allez, Kisara, on y va. Dualim, le chasseur de gros gibier. Donc là, ça va être un gros boss, à mon avis. Je pense qu'on va un petit peu leveler. D'accord, c'est pas très loin en plus là. Hop là, donc c'est par là. On voit l'étoile verte. Ouais. Il y a deux petits singes qui l'accompagnent. Alors lui, il est quoi? Oh, 25! D'accord, il y en a deux qui l'accompagnent niveau 21. Bon, nous on est à niveau level 50, donc ça devrait camaler, hein, logiquement. Après, il a beaucoup de PV évidemment, vu que c'est un boss. Mais malgré tout.
Allez, les frappes bonus là. Moi je fais la mienne aussi. Et là une attaque combinée, on lui a déjà enlevé la moitié du coup. Hein. Allez, je fais le tour infernal. Bon là j'avoue. Ouais, on lui roule quand même dessus, hein, franchement. Et là on va l'achever. Bon, c'était pas... Voilà. C'est un boss, mais il était que 25, hein. Que level 25. Donc j'ai gagné une feu astrale, ça augmente du coup le... les PS max, hein. Bon, on a pris un petit peu d'XP, mais bon. Pas tant que ça. Alors, on va valider la quête, comme ça on aura... des PC, peut-être des objets. Vu qu'en plus on manque un peu d'objets de soins. Notamment, je sais plus, fiole de résurrection, j'en ai combien par exemple? Ouais, même ça j'en manque, hein. Ben, j'ai eu les deux que je gagnais avec une quête là. Vu qu'on manque un peu de gald. Et là j'ai combien de gald maintenant? 3667, ouais. Puis il nous faut des gald aussi pour forger les armes max et tout, parce qu'il manque des... J'ai pas toutes les armes au max, hein. Les plus puissantes. Alors, 5700 gald et 325 PC, c'est pas mal. Alors du coup, ouais, il y a un nouvel emblème pour Dualim, Protecteur Éternel. Là, j'ai l'amplification d'extension de bâton qui est du coup déjà débloquée, ok. Alors on pourra avoir comme compétence, réduction de temps de lancement d'Arte pendant un combo, remplissage, jauge de bonus sous le 10 coups, ouais. Ça c'est quoi? Régénération. Ah, Arte de guérison intermédiaire. Qui ressort progressivement les PV d'un allié. Ah d'accord. Ben ça c'est pas mal. Je vais le débloquer tout de suite. Très bien. Alors du coup, ensuite dans les quêtes secondaires, bon il y a une enveloppe qui est déjà ouverte, ça c'est pour le temple de la Terre, mais là on peut pas le faire pour l'instant. Ah d'ailleurs j'étais pas allé ici, tiens. Tiens, je vais explorer, voir ce qu'il y a là. Ça se trouve il y a une quête secondaire d'ailleurs. Ah ouais, j'étais jamais allé ici, aller là où il y a les points d'interrogation, pardon. Alors. Donc logiquement c'est par là si je dis pas de bêtises. Ouais. Ah ouais d'accord, mais c'est juste ça en fait. Non, en fait, je me suis planté, je crois. Non, mais il y a un truc, là, que j'ai... Ah, j'ai dû louper le coche, là. Alors, je vais y retourner. Alors. Bah, pourtant, c'est bien là. Ça, je comprends pas. Ou alors faut passer à l'intérieur de la cascade. Ah, peut-être que c'est derrière la cascade. Ah ouais, derrière la cascade, d'accord. D'accord, deux crocs de granit. Bah c'est tout, ok. Alors du coup... On va aller
là où il y a une autre quête secondaire dans l'aile de Menantia, alors au ranch de Faria. Ah d'accord, il veut juste qu'on lui ramène son... sa combinaison de travail qu'il a commandé à un tailleur, ok. Ouais, il est trop occupé pour y aller, ok. Donc il faut aller à Vicint, ok. Mais je suis en train de me dire, je sais pas si j'ai validé la quête avec la bonne femme là. Ou j'ai vaincu le singe géant. J'ai un doute. Bon, attention, je suis juste à côté. Et j'ai un gros doute là. Non, elle est partie, alors j'avais validé la quête. Ok, j'avais complètement zappé. Ouais. Alors, du coup, Vicint. Donc du coup, on va voir le tailleur pour récupérer la combinaison pour le fermier. Il y a une quête ici. Ah oui, c'est juste ici, en fait. Ok. Ouais, effectivement, elle est assez jolie, ouais. Ah, d'accord. Elle en a marre que de se faire draguer. Elle le trouve très gentil, apparemment. En tout cas, on parle de lui, elle sourit, hein, donc... Elle a l'air de bien l'aimer. Ah d'accord, bah elle aime bien le fun apparemment. Allez, on amène la combinaison au fermier.
Alors, faut retrouver le taureau maintenant. Ok, donc faut que je retrouve le taureau qui est parti je ne sais où. Oh, il a dû partir à l'extérieur du ranch, hein, je pense. Alors ouais, il y a un objectif là. Oh, il est pas très loin, hein. Ah ouais, il est entouré de Zug là. Bon, on va le sauver. On va détruire les sangliers. Là, ils sont level 20 en plus. On va leur rouler dessus. Allez, retour au ranch pour Ab le taureau. Apparemment, loup, il a du succès avec les vaches, super. D'accord, en fait, la combinaison, c'était pour loup. Bon, on a gagné la tenue de fermier, d'accord. Et le chapeau de paille. Et un chapeau de paille marin. Alors, 2300 gal, 160 PC. Donc ça m'intéresse déjà un petit peu plus. Mais je vais quand même lui mettre la tenue de fermier à l'eau pour voir. Alors, équipement. Non, pas équipement, pardon. Oui, les tenues. Donc, tenue. Chapeau de paille marin, ouais, chapeau de paille. Tenue de fermier. Ah, il est marrant. Avec les lames de cérémonie loup, ouais. Avec des lunettes de soleil. C'est marrant avec les lunettes de soleil. Ah, on a gagné des ailes papillons. J'avais même pas fait attention. Ah ouais, poupée de Hootel détendue. On va le mettre comme ça à l'eau.
Et j'en profite pour sauvegarder du coup. Ok, alors. On passe à la prochaine quête secondaire. Donc il y en a une dans Vicint. Et ça va être pas loin du point de voyage rapide en plus. Alors, c'est par là. Ouais. Là, il y a l'enveloppe qui est pas loin. D'accord, donc il faut se débarrasser d'un zeugle encore, apparemment. Donc il y a un zeugle géant qui rôde près de la route de Traslida. D'accord. C'est une sorte de porc sauvage. Ok. D'accord, il fait la taille d'un abri, ok. Allez, on va s'en occuper. Allez, un sanglier monstrueux, on va l'affronter. Donc, près de la route de Traslida. Alors, route de Traslida. Bon, en même temps, c'est un peu à mi-chemin en fait. Hein. À la sortie de Vicint, bon, après, peu importe. À pied, c'est rapide. Alors, du coup, on va affronter le sanglier géant. Donc là. Pour aider la pote de Kisara. Ouais, elle a l'air un peu en fou. Alors, level 26, d'accord, bon. Je devrais quand même m'en sortir, hein, vu qu'on est level 50. Allez, frappe bonus. Ok, là du coup, il est à terre. Allez, l'envoi du phénix. Attaque combinée, le tour en main avant. Ah, je vais faire le cercle de explosif. Allez, attaque combinée pour l'achever. Donc on a gagné une fleur astrale, 2 mégaos rigides et 3 crocs de granit. Alors récupération, hop là. On va pouvoir retourner à Vicint pour valider la quête. On en profitera pour aller à l'auberge pour récupérer les PS.
Hey, 5700 gold, 325 PC, ça c'est bien. D'ailleurs, je vais aller à l'auberge, qui est juste à côté. Allez, on se repose. Et on va cuisiner. Bonus d'XP2, ouais. Ah non, il manque un poisson légendaire, donc je peux pas le faire. Récupération de PS post-combat, ouais. Défense plus, attaque plus 3. Ah, butin abondant. On va faire ça. Je vais d'abord voir si je peux pas fabriquer une arme ou deux. Là il y a le forgeron. Alors, de toute façon là j'ai, ouais, il manque des objets. Celui-là je l'ai déjà. Ouais, il manque des objets. Je peux pas faire. Ah, là je peux faire, mais il manque un peu de sous. Ah d'accord, mais du coup il faudrait juste que. Saint dragon, j'en ai. Dualim, il manque des objets. Là, je peux faire, c'est juste des sous qui manquent un peu. Je vais vendre des trucs. Ah, je peux vendre à lui. Donc, je vais faire le karma sacré. Ça fait quand même plus 86, plus 78, plus 67. Hop, donc ça c'est bien pour Shion. Bon après j'ai pas assez, mais je vais du coup peut-être acheter une petite gelée d'orange et une gelée de citron. Ah bah lui il vend pas ça, ok. Bah des fioles de résurrection, j'en ai pas beaucoup. Ok, ah si il avait les gelées d'orange, bon c'est pas grave. De toute façon fioles de résurrection, j'ai quasiment rien, encore une, hop là. Ok, super. J'en profite pour sauvegarder. Et je vais aller à la prochaine quête secondaire. Je crois qu'il y a au moins encore une quête dans l'Aile de Manantia. Ah bah non. Il y en a encore une autre à Vicint. Alors, on sort. Et aussi au terrain d'entraînement, il y en a une. Hein. Alors, du coup, je crois qu'elle est là. Non, il est mort en l'eau comme ça. D'accord, donc il y a un rocher qui est impossible à fendre dans la carrière de Razum apparemment. D'accord, après il avait complètement disparu ou quoi ? Il roulait plus loin dans la carrière, ouais. Un rocher ambulant, ouais. D'accord, il fait rose, donc c'est un zog en fait. Ouais bah c'est un zog en forme de rocher quoi. Il se terre au fin fond de la carrière de Razum. Ok. Alors, carrière de Razum. Ah bah, de toute façon. On est obligé d'aller. Ah, mais c'est pas loin! Il est pas loin du point de voyage rapide de la carrière de Razum. Donc, ça, c'est bien.
Alors niveau 28, destructeur flamboyant. Bon, c'est un peu plus élevé que le précédent petit boss qui était à 26, mais bon, on est 50, donc ça devrait se faire quand même assez facilement. On devrait lui rouler dessus. Sean a son arme la plus puissante. Enfin, non. Pour l'instant, voilà. On vient d'en fabriquer une, mais c'est pas la plus puissante. Il y en a encore une autre. C'est plus puissant. Je veux la fabriquer. Il est un peu plus résistant quand même que le précédent. Bon, on a déjà enlevé presque la moitié. Hein. Ah, bénéficie du cercle de soins, super. Merci les poteaux. Je crois que Grinoël elle a pris la tempête de météore, je sais pas quoi. Revenant de météore, tu as vu de bien Grinoël. Allez, je vais lui faire un petit tour infernal là, avant de l'achever. Petit envol du phénix même. La frappe au mousse. Et là, attaque combinée. Donc on va l'achever avec le Tissera, le cyclone de Tony qui va. Bon, il était un petit peu plus résistant, mais bon. On n'a pas eu de grosses difficultés quand même. Hein. Le temps, 1 minute 26. Retournez voir le client. Alors. Hop là. Et après, je vais regarder ce que je peux débloquer comme compétence. Parce que comme à chaque fois, il me donne en gros 300 points de compétence. Là, je suis sûr que je peux débloquer une compétence ou deux. Ah, elle est magnifique, cette ville. Hein, oh, je suis allé trop loin, en fait. C'est ici. Alors, 5700 gold et 325 PC. Donc ça, très bien. Et un emblème débloqué pour Kisara. Bouclier pulvériseur. Et on a d'emblée l'augmentation de l'attaque, attaque élémentaire après garde. Ok. Ah ouais, on a pas mal de PC là. Alors, Alphen, il a plus de 2000 points. Du coup, là, augmentation des dégâts bonus après altération. Ouais, contre-attaque renforcée. Est-ce que j'ai d'autres trucs que je peux... Ouais, là, ici, on peut. Collectionneur d'armes, défense élémentaire plus 30. J'essaie de regarder les trucs intéressants. Ah, récupération de GA plus rapide, ça, c'est pas mal. Ah, mais il faut combien? 2400? 2041. Donc je peux, mais là c'est le titre Armologue, avec puissance plus 40. Mais récupération de GA plus rapide, ça c'est bien. Hop là. Alors pour Shion. Restauration de la GA après victoire. Ouais. Oui, si elle bat un ennemi, quoi. S'il y a plusieurs ennemis, c'est intéressant. Avec puissance plus 20, si on complète. Et ben là je peux compléter d'ailleurs. Hein. Augmentation de jauge bonus après ennemi à terre. Hop. On a le bonus de complétion. Alors, d'où allumer 1839. Remplissage, jauge de bonus à tous les 10 coups. Ouais.
Après là, il y a augmentation de dégâts critiques avec extension de bâton. Remplissage de bonus tous les 10 coups, ouais, on s'en a déjà. Rinuel. Augmentation des dégâts aériens, ouais. Qu'est-ce qu'on peut lui débloquer là? Ah, il y a ça. Ah oui! Et comme ça, on pourra avoir le bonus de complétion attaque élémentaire plus 50, ce qui est bien, vu que c'est une magicienne. Et là, c'est augmentation des dégâts à terre. Hop là. Ensuite, l'eau. Hors limite étendue. Donc ça, c'est bien. Prolonge la durée du hors limite. En plus, il est souvent hors limite. Donc ça, c'est bien. Et hors limite fait. Ah ouais, génial. Facilité pour le groupe. Ça, c'est nickel. Et en plus, ça lui fait le bonus de complétion attaque plus 50. Super. Et qui Sara? Alors là, c'est quoi? Augmentation de dégâts à terre. Ouais. Et bon, la prochaine fois, on pourra rapidement. Il faut 1000 points. Bon, on pourra lui faire le bonus de complétion, défense plus 50 la prochaine fois. Ok, alors. Ensuite, la prochaine quête secondaire. Au terrain d'entraînement. Et du coup, le terrain d'entraînement, je l'ai pas beaucoup fait. Bienvenue sur le chat, au fait. Hein. Je l'ai pas tellement fait, après, à part seulement pour faire la quête avec le DLC Sword Art Online. Donc là, c'est un soldat qui est là, ok. D'accord, c'est là, la gile sous son armure, ok. D'accord, là on est à égalité. Ok. Elle veut voir qui aura la 50e victoire, qui est la plus forte, ok. D'accord, donc ça va être un duel hein, contre elle. Hein. Donc je pense que j'aurai qui sera seulement. D'accord, si on perd, on doit lui donner le bracelet de Migal du frère de Kisara. Ok, super. Allez, on commence la quête. Rival un jour, rival toujours. Allez, on va faire un duel contre elle. Alors, ah, elle est quand même level 44. Donc là, du coup, ça va être un peu plus compliqué, parce que nous, on est 50. En plus, j'ai pas l'habitude de jouer Kisara. Moi, je joue plutôt Alphen. Ah, elle est bien cette compétence, là. Sillon de serpent d'eau. Alors d'ailleurs, je peux changer de compétence. Hein. Arte. Alors elle a pas d'arte aérien, elle. Et d'ailleurs, panoplie d'arte. Ouais. Alors je vais faire lame de tigre. Ouais. Émission incandescente. Et là. Rugissement perçant. Et là, ma frappe bonus. Comme ça, je me soigne. Ça, c'est bien. Alors le sillon de serpent d'eau, ça c'est pas mal. Par contre, elle est un peu lente, je trouve, qui sort. Hein.
Ah, je suis en hors limite là. Ah, le bûcher de glace. Ah, la deck est sympa, hein, quand même. Qu'elle se soigne un petit peu là. Franchement, c'est faisable hein. Allez, le bûcher de glace. Génial, j'ai gagné. Kisara, elle est bien, mais elle est un peu lente. D'accord, elles vont jamais s'arrêter en fait de faire des duels. Alors on a gagné 8400 gald, 270 PC et un plastron à... Donc du coup, une armure pour Kisara. Alors, Migal Pedi, donc un nouvel emblème pour Kisara. Alors, bonus de complétion, c'est attaque plus 20, ouais. Alors là, augmentation de gain de bonus après victoire. Augmentation dégâts de frappe bonus, et là c'est quoi? Assaut de la bête. Déclenche l'esprit du lion en diagonale descendante, ok. Et on va débloquer ça aussi, augmentation dégâts de frappe bonus. Ok. Allez, on en profite pour sauvegarder. Alors je crois qu'il reste une quête en Alde Mancia, voilà, au Palais d'Otlina. Hop, à la bibliothèque. Dans tous les cas, évidemment, il faut aller... Hop là, à l'entrée. Donc c'est le palais de Dwalim. Hein. Donc on doit aller à la bibliothèque. Thank you.
Ah, c'est au premier niveau, la bibliothèque. En fait, je suis pas au bon endroit quand je dois aller au deuxième niveau. D'accord. Donc, faut que je redescende. Alors, la bibliothèque, elle est en face, ok. Ah, donc elle a trouvé un vieux bouquin qui est un artefact de grande valeur apparemment. D'accord, donc il y a une certaine fleur spectrale de Nevirin. D'accord, donc comme les plaines neigeuses de Nevira apparemment. Là où il y a un lac, ok. Donc il y a très longtemps poussé sur les berges une fleur magnifique qu'on ne pouvait voir que la nuit. Ouais. D'accord, donc on va chercher la fleur dont elle parle dans le livre. Alors, on commence la quête, la fleur spectrale de Nevira. Donc on va retourner en Cislodia pour trouver la fleur. Alors. Hop là. Ouais, on voit l'étoile ici. Ok. Hop, point de voyage rapide. À tous les coups, la fleur sera protégée par un zogle géant. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, c'est par là. On va ramasser un petit poisson au passage. Donc c'est par là. Ah, attention. Wouah! Ah, niveau 54. Ah ben, celui-là, il sera déjà plus compliqué à battre. On est level 50. D'accord, mais il est stylé celui-là. Il est... ça va être jouable, hein, mais... ça sera pas non plus gagné, quand même. En tout cas, j'aime beaucoup son design à Ménélis là. Allez, ma fra bonus là. Ça va être un bon combat de boss, là. Alors,
Alors là, du coup, on va en profiter vu qu'il est un peu stun. Allez, attaque combinée. On en profite là, toutes les fois bonus. Alors faut faire attention là, il lance des flammes. Enfin, il lance des boules de feu plutôt même. Alors, il a des sorts de cornes qu'on poussait là. Il est en mode flamme. Alors du coup j'ai eu le cercle de soins pour m'aider, pour me soigner. Ok, alors là je me suis fait avoir, mais mes potes vont me ressusciter. Hein. Comme ça je vais économiser les fioles de résurrection, voilà. Allez, on fait les frappes bonus là. Et on lui a enlevé que le quart hein, pour l'instant. Je vais utiliser une gelée d'orange. Ouais, parce que là je pense que c'est vraiment nécessaire. Pendant que je suis mort, même une autre, parce que je sais que on aura besoin là. On lui a même pas enlevé la moitié pour l'instant. Allez les amis, ressuscitez-moi. Voilà. Allez, ma frappe bonus là, pour le stun, tour infernal. Oh, il est pas stun longtemps, honnêtement. Ah là là, il est fort, hein, quand même. C'est quand vous voulez les amis, vous me ressuscitez, c'est quand vous voulez, hein. Voilà, merci. Ah ouais, d'accord, là je suis déjà remort. Génial. Bon, je vais prendre une fiole de résurrection quand même, là. Et je prends une gelée de raisin. Ah non, on m'avait soigné déjà. Bon, c'est pas grave, tant pis. Allez, résurrection pour moi. Moi, je vais ressusciter Dualim. Ah,
Et je vais le soigner. Ah, j'ai plus qu'une gelée de raisin. Ouais, donc le combat est pas gagné, hein. Oh non! Allez, attaque combinée. Cyclone de phénix divin. Là du coup on lui a enlevé la moitié. Alors modifier, on va mettre du coup ouais, Rinoel elle est out là, on va mettre Kisara. Ah d'accord, là il est passé en mode glace, ok. Enfin mode eau même plutôt. Alors je vais régénérer Dualim. J'essaie d'éviter ouais, ces attaques. Hein. Gelée d'orange aussi là. Hop, ça commence à devenir compliqué là. Allez, je vais lui faire une bonne attaque de flamme là. Allez, c'est un peu de soin, très bien. Voilà, faut être concentré. Ah ouais. Ah. Allez, cercle explosif, là. Jouet d'orange, ouais, c'est la dernière. Hein. Et on lui a enlevé que la moitié de ses PV. Hein. Là, c'est un petit peu chaud quand même. Poids de fond. Allez, résurrection. Je vais me prendre une petite gelée de citron. Et on va remplacer Shion qui est à zéro contre l'eau qui est en pleine forme. Allez, retour du noyau. Oh là là, je suis déjà à zéro. Et c'est chaud, vraiment, il est très très chaud. Hein. Il est super chaud à vaincre. Allez, qui ça va? Faut essayer d'éviter ces attaques là, mais c'est pas simple hein. Ça fait beaucoup d'attaques là. Allez, Dualim. Allez, j'ai plus de gelée, d'orange. Non, je peux plus régénérer la jauge de PS là.
Elixir Omega, ça c'est quoi déjà? Ça restaure entièrement les PV de tous vos alliés, même s'ils sont KO. Ouais. Donc ça, ça sera le dernier recours. Après, il y a le remède. Restaure 3000 PV à tous les alliés, donc ça c'est bien. D'abord l'élixir Omega, parce que de toute façon, il y a Sean et Rinoel qui sont morts. Ah, je veux bien faire le l'artimistique là. Mais non, il veut pas sortir. Oula. Et ici Omega. Là il était temps. Ah, je suis à zéro là d'un coup. Oh là là. Puis fiole de résurrection, je n'ai pas 50 hein. Ah, le cercle de soins, j'ai loupé. Ok, l'eau il est dead. Ah, c'est chaud. Enfin, il fait toujours des attaques en fait, il s'arrête jamais. Ah, même les gelées de... J'ai plus rien. J'ai plus rien du tout. Restaure 3000 PV à tous les alliés. Ouais. Ah oh là là. Puis Sean, du coup... Ouais, je vais d'abord la ressusciter. Ah, oh, c'est chaud. Allez, vite, 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 que je puisse utiliser... Ah, super, qui sert à faire son arc mystique. Ouais, génial. Alors, puissant remède. Bon, il y a l'eau qui est out, mais au moins, voilà, les autres. On a un peu des couleurs. Allez, attaque combinée, hôtel suprême. Pas encore foutu, mais c'est pas gagné hein. Allez Rinoel, à toi de jouer. Ah c'est con, il lui reste un quart. Oh là là. Ça va être vraiment tendu, 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 tendu. Allez, faut que j'utilise le puissant remède là. Voilà. Hop, après c'est un peu ma dernière chance, mais là, c'est compliqué, il lui reste encore un quart quand même. Come on,
Ah d'accord, on est plus que 3 là. Du coup... Faut que Rinoel elle nous rejoigne. Ah c'est chaud. Et je vais ressusciter qui sera. Mais le problème, ouais, une gelée de citron pour moi d'abord. Ah c'est chaud. Ah, je vais pas y arriver. Non, il n'y a plus que Rinoel toute seule. J'ai plus que ça. Après, j'ai une gelée de pêche, deux gelées de pommes. Ah, c'est con, c'est vraiment con. Non, c'est vraiment con. Il reste plus que Rinoel. Alors après, je peux la jouer. Oh là là, bah elle m'a eu. Bon. Alors, stratégie, se battre avec agressivité. Et on va voir ce que ça donne quand ils se battent avec agressivité. C'est con, j'aurais juste deux ou trois levels de plus, je suis sûr que ça aurait été plus simple. Ah, attaque combinée. Allez, mafra bonus, maintenant c'est Dualim. Ah, faut faire attention à ces attaques de flamme. Hein. Faire super gaffe. Allez, je reviens à se battre avec modération. Ouais, j'attends de me faire ressusciter. Ah
vraiment essayer d'éviter ces attaques là de ces rideaux de flammes et tout. Hein. Ah, l'Artémistique, génial. L'Artémistique de la collab avec Sword Art Online. Alors, donc là, on lui a enlevé le quart. Ah ok, je suis out. Alors je vais restaurer un peu la jauge de PS là. Bon, j'attends qu'on me régénère là. Voilà. Ah super, le cercle de soins. D'accord, là il va... Il est dangereux en mode flamme. Hein. Je régénère encore la jauge de PS. Allez, maintenant, se battre avec agressivité. Allez, merci Joalim. Franchement, il est... Putain, il est super chaud, hein. Il est super chaud. Dès que tu t'approches de trop, prends un rideau de flammes, là. Oh là là. Allez, j'en profite pour restaurer un peu la jauge de PS. J'ai plus beaucoup de gelée d'orange, hein. Oh là là. Et c'est atroce.
Ah, je suis déjà à zéro, c'est pas possible. C'est incroyable. Bah, de toute façon, on est tous soit. Il restait que Shion là. Ouais, ou alors des autres qui sont à 1. Voilà, pas le choix. Hein. Du coup, modifier. Allez, attaque combinée. Il lui reste encore un peu plus la moitié. Hein. Ah, là, il a changé de forme. Je vais mettre se battre avec modération. Faut quand même qu'il y ait les soins. Oh non, ils sont tous... Oh là là! Alors déjà une gelée de raisin pour Dualim. On va faire venir Rinwell pour remplacer Kisara. Alors je vais d'orange. Hop, c'est la dernière hein. Ah purée. Oh là là, t'as même pas le temps de lancer ton sort que... Non mais j'ai le temps. Oh là, c'est atroce. Yeah.
Et on peut plus utiliser les PS. Super. C'est une catastrophe là. Ah, l'artémisique de l'eau. On va faire le puissant remède. Voilà. Là, ça va être compliqué. Il lui reste encore la moitié de ses PV. Oh là là, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Oui, je pense qu'il faudrait que je l'affronte une autre fois. Là, c'est la deuxième tentative. J'ai beau essayer, mais franchement, c'est compliqué. C'est compliqué, je vais aller jusqu'au bout, mais là... Alors peut-être en ayant plus de gelée d'orange à la limite. Mais même hein, c'est il faut monter un peu de level hein. D'accord, alors là, il a fait des one shot quasiment. Shun one shot. Dualim presque one shot, alors là, franchement super. Ah bah moi, ouais, non mais là il est trop puissant, franchement. Je crois que c'est pire que... Je vais mettre Kisara à la place de Shion. Je prends une gelée de citron pour moi. Résurrection, il n'y en a plus, donc super. Donc c'est plus que Kisara et moi. Hein. Pas compliqué. Ouais, franchement, j'arrive. Après, je sais qui je pourrais peut-être gagner un en plus de gelée d'orange. Des gelées d'ananas aussi, dans mon avis. J'avais que 5 gelées d'orange en même temps. Franchement, il y a de la marge. Hein.
Mais ouais, il nous faut des sous. Voilà, de toute façon. Dommage, hein, on a bien avancé dans le combat, mais il est quand même assez puissant. Ah, réduire la difficulté des combats. Si les combats vous semblent trop difficiles, pensez à changer de niveau de difficulté. Ah, d'accord. En allant, j'avoue, j'ai jamais fait ça. En allant sur l'écran système du menu principal lorsque vous réessayez un combat. D'accord. Vous aurez ainsi de meilleures chances de gagner. Ouais, bah je peux réduire peut-être la difficulté, hein. Alors, paramètres, difficulté normale, bah je peux mettre en histoire. Bon, je vais faire ça juste pour ce combat. Ce serait dommage quand même de pas le finir, vu que je suis là. Allez, on va réessayer du coup en difficulté histoire. Franchement, Tears of Arise, j'ai toujours fait en normal. Toute histoire, j'ai fait en normal. Et c'est vrai que là, c'est un peu compliqué, il est quand même assez fort. Hein. Comme ça, peut-être qu'il ne va pas nous faire des one-shots. Alors j'imagine même pas dans les modes difficultés très dur, genre difficile. C'est vrai que j'ai l'impression que ça avance un petit peu plus vite là. Allez, tiens, plus de soins, super. Enfin, il enlève quand même beaucoup de PV, hein, même malgré tout. Ouais, alors faut faire attention à ces boules de feu là. Allez, je me prends une petite gelée de raisin. Bon, j'ai pas réussi à lancer le l'artémistique, c'est pas grave. Allez, là du coup, on fait toutes les frappes bonus qu'on peut. On m'a mis à zéro, c'est pas grave, je vais attendre qu'on me ressuscite là. Allez, là du coup en mode histoire, ça devrait être plus jouable.
j'étais un peu loin. Ok, je suis à zéro. Alors j'en profite pour utiliser une gelée d'orange. Allez, frappe bonus de Kisara, hello, jeune Henri Noël. Bon, c'est pas évident, mais ça me paraît un peu plus jouable quand même. Ok, là il a changé de forme. Oh, je me suis trompé. C'est pas grave. Allez, les frappes bonus là. Alors, franchement, ça me paraît plus jouable déjà. Avec Dualin, peut-être qu'il va nous faire un arc mystique là. C'est bien. Allez, retour le noyau. J'en profite pour restaurer un petit peu la jauge de PS là. Allez, jeu d'orange, il m'en reste encore 3 après, ça paraît jouable là. Là déjà, ça paraît faisable. On frappe un peu moins fort. Nous peut-être qu'on frappe un peu plus fort, là je sais pas. Ah! Il m'a eu qu'un tourbillon d'eau là. Je vais ressusciter Rinwell. Allez, attaque combinée, tournoiement ardent. Je vais quand même utiliser une gelée d'orange encore là. Il n'y a plus beaucoup. Oh, même une autre, il en faut une autre de toute façon. Il lui reste
reste encore un bon quart de PV. Et c'est jouable. Il me reste encore une gelée d'orange après. Ça me paraît faisable. Allez, j'attends qu'on me ressuscite là. Voilà. Allez, Ménis, il reste plus qu'un quart. Oh, putain. Il frappe fort quand même encore, hein. Allez, Rinuel, frappe bonus là. Allez, ma frappe bonus à moi. Allez. On est pas loin là, on va y arriver. Il reste même pas un quart. Allez, il y a plein de frais bonus là. Rinuel, Kisara. Non, faut que j'utilise la dernière gelée d'orange, c'est pas grave. J'en rachèterai. Comme ça, on va sortir la chose de PS pour les arcs de soins. Allez, retour du noyau, super. Allez, le tour infernal. Allez, on va y arriver. Je fais ma frappe bonus. Salle de Shion. Allez, on n'est pas loin là. Là, ça sent bon, franchement. Frappe bonus de Dualim et de Rinuel. Maintenant, celle de l'eau. Salut Kisara. Allez, attaque combinée. Et on va l'achever. Mais il était pas du tout simple à battre, hein. Ah, on a gagné le trophée Éclosion Nocturne. Je pense qu'on va avoir une belle récompense avec cette quête. Parce qu'il était un bon niveau, level 54. Nous on était 50 hein, déjà quand même. Et je pense qu'on va prendre un peu d'XP aussi. C'était une espèce de zeugle capable de contrôler la lumière. Donc non, c'était pas la fleur spectrale, ok? Ah, c'est peut-être ça la fleur spectrale. C'est peut-être l'aurore boréale en fait. D'accord. C'est joli en plus l'aurore boréale là, j'avoue. D'accord, c'est une étrange lumière qui flotte dans le ciel. Ouais. Ouais, c'est un phénomène météorologique rare, hein. Ouais, c'est très, très beau. まあ、いいじゃねえか。細かいことはさ。こうしてすごいもん見れたんだ。それにさっきのズーグルがなんか邪魔してたかもしれないだろ。それはまあ。ほら。
Alors, 12 600 galdes, 35 PC, à guide du glouton. Donc le rastral. Ah, il y a une petite scénette. Ah, les objets lui parlent. D'accord, donc on doit rassembler des reliques apparemment. ないでしょ。異物には興味あるけど。でもお前、時々精霊力が運だ。私って並べてみると、各々の魅力が際立つな。この理由完全に世界。あれでも武器のことになると。え？あ？うん。クラスの parler. Alors, on a pris un peu des levels de un niveau hein, on a pris un level. Alors ce qu'on va faire, on va retourner en aile de Mancia. Bon, Sisoya, il n'y a plus de quête. Hein. Calaglia, ça n'a pas changé. Il n'y en a pas qui sont apparus de nouvelles. Mais celle-là, c'est celle qu'il faut valider du coup. Au moins, est-ce que ça soit une nouvelle? Parce que je suis en train de me dire... C'est comme... L'enveloppe, elle est pas ouverte. Hein. Alors, si c'est une nouvelle, on va d'abord quand même... aller à l'auberge. Pour Trégen. Et pour acheter peut-être des choses, vu qu'on a gagné des sous. Les galdes. Alors, on va à l'auberge. Alors, dans les effets, attaque plus. Ah oui, attaque plus, ça peut être bien ça. Alors, est-ce qu'il n'y a pas attaque plus plus? Ah oui, bonus de points de combat, mais j'ai pas, il manque du lait, ok. Récupération de PS post-combat. Ça, c'est peut-être bien. Alors, j'ai 26 000 galdes. Là, par contre, j'ai pas tous les objets. Là, j'ai pas tous les objets pour sa meilleure arme. Là, pareil pour Dualim. Par contre, je peux faire le Deus Aurora parce que ça lui ferait plus 161 en attaque, plus 172 attaque élémentaire, plus 136 en puissance. Là, on fait ça tout de suite. Ok. Par contre, est-ce que je peux vendre des trucs pour peut-être faire une autre arme? On ne sait jamais. Alors, fragment d'argile. Ok. Pierre terrestre un petit peu. Ouais, j'ai pas tant que ça. Cristal astral brillant. Méga os rigide un petit peu. Méga noyau étrange. Ouais, j'ai pas 12 000 matériaux. À mon avis, fabriquer armes, j'aurais pas assez de sous. Rinoël, ouais, de toute façon. Là j'ai les ingrédients mais j'ai pas assez d'argent.
Pour l'eau, je peux faire les points tyranniques. Déjà, ça augmente bien, quand même, plus 94, plus 82, plus 97. Ah, ça m'aurait bien aidé, du coup, pour la quête contre le boss, hein. Allez, donc ça, c'est bien. Ah, par contre, j'ai pas... gardé d'argent pour acheter des objets. Je peux prendre une gelée d'orange. Et bon, j'ai un peu de tuyau de réaction, ouais. De toute façon, j'ai pas assez de tout. Ah, le plastron élémentaire, je l'ai pas équipé. À qui sera ? Ah bah de toute façon, ok, c'est pas assez... c'est pas intéressant pour elle, ok. Ouais, je vais sauvegarder du coup. Ouais, je débloque ça, augmentation des dégâts en contre-attaque. Alors pour Shion, récupération JA plus rapide, comme ça elle aura le bonus de complétion attaque élémentaire plus 30. Dualim, bah là il aura un bonus de complétion, défense élémentaire plus 10. Avec récupération de JA plus rapide, ça c'est bien. Rinuel, qu'est-ce qu'elle peut débloquer? Augmentation des dégâts de frappe bonus, ouais. L'eau. Là, il peut avoir un bonus de complétion. Attaque élémentaire plus 20, ouais. Et restauration JA après coup critique. Et qui sera. Non, elle a pas assez 341. Ah, si. Mise en garde renforcée. Ok. Ou le rugissement du lion. Ouais. Ok. Qu'il y a encore une quête à faire apparemment à la bibliothèque. Il y a encore une enveloppe. Non, la bibliothèque c'est en bas. Alors, premier niveau. Ouais, c'est dans la bibliothèque, hein. Ah oui, donc là, il y a la jeune femme, ok. Bah non, c'est son livre qui l'aide à combattre à Rinuel.
D'accord, si on lui apporte des livres, elle nous récompensera. Elle attend les subventions, ouais, ok. D'accord, comment c'est la quête, la bibliophile. Bah, est-ce que les livres, on va les trouver un peu partout ou montrer les secrets des étoiles. On avait trouvé un livre, le secret des étoiles, ou alors c'était le livre qu'elle avait consulté pour la quête juste avant, là, je sais plus. Non, c'est un précieux héritage familial, d'accord, qui appartenait à un certain clan. Ah non, d'accord, c'est son livre à elle pour lancer des sorts, ok. Ah, on a obtenu 5 fioles joyeuses, ok. Et on obtient un nouvel emblème pour Inoue, des biophiles. Avec l'augmentation de la capacité JA max. Donc on a une unité de JA en plus. Ok. Alors montrez le livre le plus rare. Ah, on a obtenu un romarin, ok. Apprivoiser l'eau. Ah, c'est pas les livres. D'accord, les armes, c'est les armes de Rinwell en fait. D'accord. Parce qu'elle a une arme qui s'appelle Apprivoiser l'eau. Et effectivement, c'est les livres. D'accord, c'est ses armes à elle en fait. Ok. Donc faudrait qu'on fabrique toutes les armes de Rinwell du coup. Et comme ça, elle nous donne des récompenses. Ah, c'est bien ça. On gagne un emblème magique, ok. La lumière éclatante, ouais. On gagne un romarin rouge. Après, je sais plus combien j'ai fait d'armes à Rinwell, hein, donc on peut discuter encore un peu. Ah, donc là, ok. Donc, dès que j'ai fait une prochaine arme pour Rinwell, où j'en aurai peut-être par plusieurs, même des anciennes. Ok. Donc du coup, que je regarde bien, en Menantia, on a fait toutes les quêtes, à part celle-là, bon, qui est une quête suivie, hein. Il faut lui rapporter plusieurs livres, mais c'est les armes de Rinwell, dès qu'on en fabrique une, on lui ramène, elle consulte, et comme ça, elle nous donne un petit objet, une petite récompense. Sinon, j'ai fait tout en Menantia, alors bon, ça a duré un peu longtemps, ça a duré 2 heures, le let's play, mais en même temps, j'ai un peu peiné avec ce gros combat de boss, et j'ai dû même baisser la difficulté. Après, il restera... Alors, au max, art, il y a une seule quête, apparemment. Ganataros, il y a 3 quêtes. Sur Rena, et bon, il n'y en a pas.
Après, il y a Dyke Faisal où il y a une quête. Donc la prochaine fois, on fera les quêtes du bon Max Arena Kun, les trois là de Ganataros, et peut-être aussi celle de Dyke Faisal. On va essayer de finir les quêtes secondaires la prochaine fois. Bah écoutez, moi j'espère que ce let's play vous aura plu. Vous aurez la rediff hein, de toute façon tout de suite sur la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et jouez bien. Ciao.